Alors, est-ce que tu as envie de remplir ton agenda, de développer ton chiffre d'affaires et surtout de t'épanouir enfin dans l'exercice de ta profession de diététicien? Ou est-ce que, en tout cas, tu as ce projet si tu n'es pas encore installé à ton compte, étudiant ou salarié? Eh bien, écoute, avec la formation CapTourne, ce que je te propose, c'est de te transmettre les outils que j'ai utilisés et qui m'ont permis de booster mon entreprise. Je suis installée en libéral depuis 2009. J'avais des bénéfices qui tournaient autour de 14 000, 11 000, 18 000, franchement pas plus. Et j'en avais marre, tout simplement, de stagner. Voilà, je gagnais de ma vie, de quoi faire mes courses, payer mon loyer, en gros, hein. Et j'avais envie de gagner plus pour pouvoir profiter de tout ce que la vie peut nous offrir, des vacances, des voyages. Je suis passionnée de moto, donc pour m'acheter une belle moto, etc., etc. Et puis aussi de pouvoir enfin faire plus que plaisir à ma famille et à mes proches en leur faisant des cadeaux. Alors je sais, tout ça c'est très matériel, mais surtout j'avais envie de sérénité. De sérénité dans la sécurité financière, tout simplement la liberté financière. Et en ayant atteint cette sécurité, je me suis aussi rendu compte que ça me permettait de encore mieux m'épanouir au travail, de mieux lâcher prise et d'être vraiment la meilleure version de moi-même chaque jour auprès de mes patients et en tout cas auprès des projets que j'entreprends. Et aujourd'hui, ce que je te propose avec la formation CapTourne, eh bien, c'est que toi aussi, tu atteignes tes objectifs financiers, cette sérénité et cet épanouissement. Alors comment réussir à remplir son agenda, à fidéliser tes patients, à les engager pour éviter le lapin de dernière minute qu'on a tous connu et qu'on adore tous? Voilà, comment aussi développer une communication efficace qui te permet d'être visible et de devenir là où le diététicien, diététicienne référent de ton secteur. Et oui, quand on parle de perte de poids ou d'accompagnement sportif ou de troubles intestinaux, voilà, peu importe ta spécialisation, mais c'est être reconnu par tes prescripteurs locaux, par tous tes potentiels collaborateurs de ton secteur et que automatiquement, systématiquement, on pense à toi et qu'on te conseille et qu'on conseille la personne d'aller vers toi, d'aller te consulter. Et puis comment structurer ton accompagnement pour proposer un projet, un accompagnement de A à Z auprès de ton patient, qu'il se sente bien encadré, qu'il ne se sente pas seul, qu'il se sente vraiment accompagné, avec aussi pour lui cette sécurité du coup d'atteindre ses résultats, d'atteindre ses objectifs en toute bienveillance, sans jugement et surtout avec une efficacité, que tu puisses vraiment structurer ton accompagnement impatient pour qu'il ait des résultats efficaces et durables de façon certaine, a besoin d'être accompagné minimum 1 an. Et 2 ans, c'est vraiment l'idéal. Donc, comment je peux t'aider? Eh bien, tout simplement, en te formant et en t'enseignant toutes les bonnes pratiques à mettre en place sur tous les plans nécessaires. C'est vraiment tout l'écosystème nécessaire pour le bon développement de ton cabinet et pour bien faire tourner ton cabinet, que ta patientèle se renouvelle de façon fluide, que tu ne sois plus sans arrêt à la recherche du nouveau patient, du nouveau rendez-vous et que justement un patient contribue intégralement à ton chiffre d'affaires de l'année grâce à un accompagnement structuré, grâce aussi à tout ce que je vais t'apprendre sur l'écoute active pour mieux répondre aux besoins de ton patient, pour apprendre à mieux personnaliser ton conseil, ce qui fait que le patient se sent entendu, se sent reconnu et se sent compris. Et donc du coup, il est content, il revient systématiquement. Comment aussi t'imposer, adapter cette posture de chef thérapeute, c'est toi qui décides et non le patient. Le patient, il vient te voir parce qu'il a besoin de conseils, il est perdu, il pense à savoir ce qu'il lui faut, mais c'est toi le thérapeute et il vient te demander de l'aide. Donc c'est ton rôle de savoir ce qui est bon pour lui et de l'imposer avec toute bienveillance, modestie, etc. Mais vraiment pour que le patient se sente bien entouré et bien accompagné.
Alors comment, voilà, mettre en place tout ça? Comment communiquer de façon efficace? Comment être visible toute l'année? C'est tout ce que je te propose avec l'univers de la formation Captourne. L'univers de la formation Captourne, je l'ai construite autour du cinéma. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que on écrivait, voilà, on était scénariste, c'était important de partir avec un projet construit et d'écrire ce que l'on voulait sur le plan professionnel, sur le plan personnel, pour harmoniser ces deux vies, cette vie professionnelle, cette vie personnelle, écrire son scénario, savoir qui on est, quelles sont nos valeurs et comment le mettre en avant avec ce qu'on appelle son speech, la storytelling. Voilà, tout ça, c'est écrire son scénario en fait pour enfin vivre son film de rêve qui est celui, voilà, imaginez que votre agenda se remplit tous les jours, naturellement, de façon fluide, que votre patientèle se renouvelle aussi automatiquement, que vous gagnez bien votre vie, que tes consultations te permettent de réaliser le chiffre d'affaires dont tu as besoin pour vivre ta vie de rêve. Et tout ça, en fait, ça tombe pas du ciel. Et non. On structure un business plan, on écrit son scénario et ensuite, on passe à la production, on définit quelles sont les caractéristiques, avantages, bénéfices de l'accompagnement que l'on propose, comment le communiquer, donc ça c'est le module à l'affiche, comment communiquer avec nos prescripteurs, nos potentiels collaborateurs, avec notre secteur, avec notre prospect et notre patient. Voilà, ce sont vraiment des axes de communication différents mais qui sont complémentaires et qui sont importants. Comment produire aussi, on passe à l'onglet, au module, je dirais, production. Comment créer son accompagnement, comment le structurer, comment produire ses documents, comment utiliser les outils que vous avez, comme, je sais pas, par exemple, l'éducation thérapeutique du patient, la PNL ou autre. Par exemple, moi, j'utilise le Reiki et la micronutrition comme outils. Donc, comment utiliser tes outils pour produire du contenu de qualité, pour mettre de la plus-value à ta consultation, ce qui te permet de fidéliser ton patient, de l'engager. Et puis toute la partie acteur, c'est-à-dire comment toi te comporter pendant ta consultation. Donc là, je t'apprends qu'est-ce que l'écoute active. On va travailler le comportement verbal, non-verbal, la posture du chef de l'accompagnant thérapeute. Plein de choses, voilà, pour pouvoir justement sans cesse être dans la personnalisation de ton conseil grâce à l'identification des vrais besoins de ton patient à l'instant T. Et oui, d'être à l'écoute de ton patient et dans la personnalisation des conseils que tu vas lui donner. Voilà, tout ça, c'est l'univers de la formation Captourne. On va voir aussi quelles sont les fondations d'un cabinet solide, l'anticipation, l'organisation, le feedback, la capacité d'adaptation, le mindset, quel est le mindset de la réussite, et puis ton propre équilibre à toi aussi. Parce qu'on avance, on travaille aussi sur soi-même au fur et à mesure qu'on rencontre des patients qui ont des parcours de vie compliqués, ça nous fait aussi avancer sur nous-mêmes. Et la formation Captourne te propose aussi cet accompagnement pour ton équilibre. Enfin, la formation te propose, je te propose cet accompagnement. Donc la formation Captourne, elle se déroule avec des modules qui se débloquent les uns après les autres sur une durée de 6 semaines. En 6 semaines, tu acquiers tous les outils théoriques pour pouvoir développer le chiffre d'affaires de ton cabinet. Et puis 6 semaines encore de disponibilité, de mastermind pour échanger sur ton expérience, la mise en pratique de cette théorie, répondre à tes questions. Donc c'est un accompagnement global sur 3 mois, mais en 6 semaines, tu as vraiment tous les outils nécessaires pour atteindre ta réussite. En tout cas, je te transmets ma méthode qui m'a permis d'augmenter mon chiffre d'affaires, de le tripler quasiment en l'espace de 3 ans. Alors prêt pour la réussite de ton cabinet ? Action, Captourne, deviens acteur de ta réussite.